Bonjour, je m'appelle Rantou, je suis ophtalmologiste à l'hôpital HIRA. J'ai toujours voulu faire ce métier parce que depuis mon âge au collège, mon père a subi une intervention lourde à l'œil puisqu'on l'a enlevé suite à un traumatisme perforant. Et puis également, pendant mes études de médecine, j'ai été fasciné par ce métier parce que j'ai vu un patient qui a été soufflé par une dynamite. Et là, j'ai vu l'opération. J'ai été fasciné, ça m'a touché vraiment comment le geste a été effectué par l'ophtalmologiste. Et c'est ça qui m'a motivé à devenir ophtalmologiste chirurgien oculaire. L'herpmicie, c'est une opportunité pour nous, puisque ça nous facilite le travail quotidien, vu qu'avec l'herpmicie, on a le kit complet, les gammes d'implants nécessaires. Donc également, ce sont tous des instruments neufs, à usage unique, et ça nous facilite vraiment l'intervention de la cataracte. Le problème de la cataracte à Madagascar, c'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays tropical. D'abord, il y a l'effet du soleil, et du coup, on est majoritairement paysans. Et également, le problème du revenu par habitant. Nous sommes classés parmi les pays à faible revenu. Du coup, les gens n'ont pas le moyen de se payer un traitement, une chirurgie de cataracte. Il y a également le problème d'accessibilité aux soins oculaires, puisqu'il n'y a pas assez de centres qui pratiquent la chirurgie. Et à côté de cela, il y a également le manque de moyens humains. Il y a un manque d'ophtalmo considérable, ce qui limite largement l'accès de la population aux chirurgies de cataracte. Et maintenant, je commence à former les jeunes internes sur cette nouvelle technique M6 avec le projet HelpMeSee.